nouvelle boutique, la toute première boutique de Fortnite de la saison 4 du chapitre 2. Est-ce que ce soir on aura un nouveau skin? Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend d'Epic Games, parce que sachant qu'il y a plein de nouveaux skins qui sortiront prochainement. Mais vu que c'est une nouvelle saison, peut-être qu'ils vont pas mettre de skins en boutique pour pas faire trop de choses d'un coup, tout le monde peut pas acheter d'un skin, etc. Le même jour que le pass de combat, etc. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de skin nouveau en boutique. Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Peut-être qu'il y aura juste une danse, ou peut-être une emote, du coup, enfin, bref, on verra bien. Bref, c'est parti les tipotes. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau en boutique au moins? On a absolument rien en boutique de nouveau, apparemment. Ok, bon bah, par contre, on a le retour d'un skin. Lui noir, lui, ça fait très longtemps qu'il est pas sorti en boutique. À part celui-ci, il n'y a rien de nouveau, en vrai. Du coup, on a le retour du skin, du coup, folle dingue, pour plus sur les bugs. On a le retour du skin dentelle, avec ses deux custom pour 1500 V-Bucks, plus son sac à dos. On a bien sûr le skin garçon, qui est très stylé en soi. Le paradoxe pour 1500 V-Bucks. Vous avez également sa pioche, que beaucoup de personnes aiment bien, omnisciente, pour plus sur les V-Bucks. Et normalement, on a le planeur, également Equilibrium, pour 500 V-Bucks. Voilà. Du coup, on est bon pour cet ensemble. On a également le retour de cet ensemble, du coup. La petite crêpe coupante pour 1200 V-Bucks avec deux customs. La deuxième custom est arrivée un peu plus tard. Mais vraiment très stylée comme pioche. Ensuite, nous avons le skin rose avec plusieurs customs aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, bon, c'est dommage qu'il ne soit pas dans la boutique. Mais normalement, il a aussi 4 customs lui. Dans la boutique, on n'en voit que 3. Mais on a nous, pour ceux qui l'avaient déjà acheté il y a longtemps, on en avait 4 du coup. Je sais pas pourquoi, nous on avait 4, ici il en manque 3, je sais pas pourquoi. Bref, le sac à dos également a aussi plusieurs customs, tout comme pour le skin du coup, bien sûr. Pour 1500 V-Bucks, franchement c'est un skin qui est très stylé, en sachant que, effectivement, Fortnite, bah, le lama c'est l'emblème de Fortnite, hein, c'est comme le maillot de foot en France, nous c'est le coq, bah sur Fortnite, c'est le lama. Voilà, bref, vous avez capté les petits potes. Du coup, on a également le retour d'un skin qui est pas sorti d'utilité depuis très 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 longtemps. Du coup, le limier du coup noir pour 1500 V-Bucks. C'est un skin sorti à la saison 4 du chapitre 1. Donc sorti en 2018. Il est apparu pas mal de fois quand même. Mais ça faisait quand même un bon moment qu'on l'a pas vu en boutique. Tous ceux qui l'avaient pas dans leur casier et qui collectionnent les skins, ben, je pense que vous allez être très content qu'il soit de retour. Vrai, il est pas trop moche ce skin. Il a un skin un peu, voilà, inspecteur et tout, enquêteur. Et il cherche des criminels, donc ça peut vraiment le faire avec cette saison, du coup. Du coup, voilà. Moi, c'est un skin que j'aime bien, en vrai. Il a un style, voilà, à lui. Il n'a pas beaucoup de skins de ce style-là en garçon, du coup. Voilà. Et ce sac à dos, il est assez, voilà, assez ancien. Vous savez, sac à dos de chercheur, un peu, et tout. Non, vraiment, c'est ensemble est plutôt stylé. On a également la petite pioche. Donc, ça veut dire peut-être que le skin sortira peut-être demain. Le skin ancien, normalement, cette pioche-là va avec le skin ancien. Et du coup, donc, pour ceux qui se rappellent, quel skin que c'est, et le skin Elmira, le skin féminin, les magiciens entre guillemets, enfin, c'est une sorte de magicien. Du coup, la pioche, elle a deux customs, bien sûr. La baguette enchantée pour 800 V-Bucks. Vous avez également, du coup, la petite emote coup de pilon pour 200 V-Bucks. Vous avez également Madame Pizza ou Mademoiselle Pizza plutôt, la Pizama Pizza pour 1200 V-Bucks avec son sac à dos. Que lui, je crois qu'il y a deux customs, voilà, deux couleurs, en couleur or ou en couleur frambage, comme dire, voilà, pour 1200 V-Bucks, vraiment très stylé comme skin. La petite emote Péchu, qui est sortie il y a déjà un moment maintenant, il y a plus d'un an. Donc, je pense que tout le monde la connaît plutôt bien. Et je sens qu'il y a pas mal de gens qui l'ont en commentaire. Vous dites-moi, je crois que la plupart des personnes, vous l'avez soit déjà vu, soit vous l'avez dans votre casier, ou soit vous connaissez beaucoup de monde qui l'ont dans leur casier. C'est une emote que tout le monde aime bien parce qu'elle est plutôt fun, elle aime musique et bien. Et en plus, on peut avancer en dansant. Et ça, beaucoup de gens apprécient ce genre de danse. On a également la petite emote Attendez, parce que sorti un petit moment déjà. C'est un petit moment qu'on n'était pas vu en boutique. Pour 200 V-Bucks, du coup, ça fait plaisir ce petit retour. Du coup, c'est tous les potes pour la petite boutique d'aujourd'hui. Bon, elle n'a rien de nouveau, mais voilà, normalement, on a un pack qui sortira prochainement. Le pack, bien sûr, de la saison 4, du coup. Le petit pack, vous savez, starter pack de chaque saison. Le petit starter pack qui va sortir, je ne sais pas trop encore quand. On n'a pas de date, mais ça va être prochainement, dans les deux semaines qui viennent à peu près. Je vais peut-être me dire la semaine prochaine, peut-être la semaine suivante. On n'en sait rien pour le moment, on n'a pas de date précise.
Oui, bah prochainement, et c'est un skin garçon qu'il aura cette saison-là, du coup. Ce skin-là était l'officiel du jeu depuis la saison 3, quand même. Il était temps qu'il sorte, hein. Et on aura du coup des petits packs aussi, spécialement pour sauver le monde. On aura un pack, bien sûr, d'un autre héros, je vous dis pas lequel. Je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de monde, qui sortiront prochainement aussi. Mais ça, je vous dirai ça le moment venu. Sur ce, les petits potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, très important. Et également le petit code créateur qui pourra m'aider financièrement pour acheter une console et pour faire des lives avec vous sur Fortnite ou sur Sauver le Monde. Parce que je peux faire des lives sur d'autres jeux, mais sur Fortnite, le problème, c'est que je ne peux pas faire sur ma Xbox. Je vous ai déjà expliqué plein de fois dans les vidéos, donc je ne vais pas vous répéter à chaque fois. Mais bientôt, prochainement, il y aura aussi Watch Dogs Légion quand il sortira enfin. Et bien, je ferai des lives sur ma console, bien sûr. Donc, tout ça, si vous voulez que ça arrive, vous savez ce que vous avez à faire. Mettre le code créateur dans la boutique de Fortnite. Ça fait plaisir. À demain. Bon rechage. Bonne saison 4. Et ciao bye.